Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. La journée commence de manière surprenante au Parlement européen par la célébration d'une messe. Ils sont une vingtaine de députés et d'assistants parlementaires, issus de plusieurs pays de l'Union et appartenant à différents groupes politiques, rassemblés dans l'espace de méditation interreligieux autour de l'aumônier catholique au Parlement. La présence de l'aumônier est visible même au-delà de celles et ceux qui fréquentent la messe. On sait qu'il est là, on n'y vient pas, mais il est présent et ça se sait ici dans le Parlement, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte. Mais de fait, l'accompagnement est plutôt, institutionnel, collectif, au travers des célébrations et de ces rencontres, de ces petits déjeuners. Ces petits déjeuners sont organisés par l'intermédiaire de cette eurodéputée élue de l'ouest de la France. À l'issue de la messe, elle reçoit un groupe de novices dominicains pour témoigner de son engagement européen et pour expliquer son travail parlementaire. Je siège dans le groupe politique du PPE, le Parti populaire européen, qui est le parti dit majoritaire, mais qui compte 218 députés sur 751. Donc avec ça, vous n'allez pas faire passer des grands textes. Donc sur chaque amendement, sur chaque rapport, il faut que le député construise une majorité. Une telle rencontre est l'occasion pour Elisabeth Morin-Chartier de partager sa passion européenne. Les novices dominicains auront eu une leçon de démocratie telle qu'elle fonctionne dans les institutions européennes. Le lendemain, un autre petit déjeuner de réflexion est organisé cette fois-ci avec un groupe d'eurodéputés. Débat animé par l'aumônier, autour de la table des élus de sensibilités politiques différentes, mais qui partagent pourtant les mêmes valeurs chrétiennes. Je trouve que c'est extrêmement important qu'on ait régulièrement ces petits déjeuners de réflexion qui nous ramènent à ce que nous faisons et dans quel est le sens de notre travail politique. La vie sociale. Au programme ce jour-là, un texte du pape François sur la bonne politique au service de la paix. Selon la pensée sociale chrétienne, pour rester dans le cercle catholique, dans la doctrine sociale de l'Église, je peux m'engager en politique, comme d'ailleurs ailleurs, et agir selon deux principes. Le principe du respect de la dignité humaine et, deuxièmement, celui de la recherche du bien commun. La recherche du bien commun pour ces députés, c'est la ligne directrice de leur travail législatif. Elle s'incarne dans l'élaboration et la défense des textes qui seront le cadre d'un vivre ensemble européen au service du citoyen. Je suis persuadée qu'il faut retisser un lien humain entre l'Europe, qui sont des institutions, et les citoyens. Mais les institutions, elles sont au service des citoyens. Et donc, c'est toute cette doctrine sociale de l'Église, on peut dire, mais aussi cette politique sociale européenne que nous devons porter en avant dans les élections européennes. Dans quelques semaines, l'Europe a un rendez-vous important à l'occasion du renouvellement de son Parlement. Un défi pour chaque élu qui remet en jeu son mandat. Mais aussi une réelle inquiétude pour ces députés pleinement convaincus et passionnés par le projet européen. Un projet à la peine aujourd'hui face à la vague nationaliste et populiste qui ne vise, selon eux, qu'à remettre en cause les valeurs des pères fondateurs de l'Europe. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui ne cherchent plus à faire société, au sens d'être ensemble. Et pour moi, c'est très très important, parce qu'on ne peut pas se replier chacun dans son petit précaré d'égoïsme. C'est vrai que chacun a des soucis, tout le monde a des soucis de santé, de travail, de chômage, d'avenir, mais ce n'est pas en se s'enfermant qu'on arrivera à les résoudre, c'est en faisant société. Pour moi, c'est très important. Entre le 23 et 26 mai prochain, près de 400 millions d'électeurs sont convoqués devant les urnes à travers toute l'Europe. Ils vont élire un Parlement qui les représentera et qui orientera en leur nom l'avenir de l'Europe pour les 5 ans à venir.